21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Axel, donc, alors 17 ans, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu nous parles ce soir? Alors moi, je voulais débattre sur la tectonique. Ah, et ben ça tombe bien, on en avait jamais parlé, dis donc. Ah bah oui, c'est bien. Ouais. Non mais ça devient grave là. Pourquoi? Mais t'es pour ou contre toi? Parce que fais gaffe, hein, y a Toff, il est à fond dessus. Il a déjà fait la tectonique quand on était à Lyon au Music Tour, les photos et vidéos. D'ailleurs, à mater hein, sur mikael.fm, c'était horrible. D'ailleurs, j'ai reçu plein de mails de gens qui ont eu pitié de moi. Non, oui, mais c'est normal. Donner des cours de tectonique. C'est bien ça. T'es gentil. Mais fais-les venir ici, on fait un cours ici. Voilà, donc c'est ce que je leur ai proposé. Mais en fait, la plupart de ceux qui m'ont écrit sont un petit peu à l'autre bout du monde. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes sur Paris ou dans la région, venez me donner des cours. Bien sûr, surtout si vous êtes une fille. De préférence, voilà. Le voir bouger ses grands bras maigres là. Ouais. C'est ça la tectonique. Ses grands bras maigres et son gros bide. Oui, mais c'est les bras qui comptent. Hein. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Mais c'est quoi, Axel, toi? T'es pour, t'es contre, t'en fais pas? C'est quoi le délire? Alors, je suis contre, déjà. Parce que... On peut pas être contre une danse, c'est comme si t'étais contre la salsa. Non. Ouais, mais c'est naze. C'est pas contre la danse ni rien, c'est contre la mentalité à la base, parce que... Ouais, pourquoi c'est quoi la mentalité ouais, c'est quoi le problème? La plupart des gens que je connais qui font ça, c'est un peu genre, je me la pète, moi... Mais ça dépend, mais ça c'est des mecs qui... Enfin, ils se la pétaient avant, tu vois, ils ont pas attendu la technologie pour se la raconter. Voilà, c'est des mecs qui... D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on se passera à Mondotech tout à l'heure. Ah. Tu vas pouvoir t'entraîner sur la Mondotech, sur la tectonique. En plus, c'est un... Enfin, tu vois, forcément, ils doivent se la raconter puisqu'ils doivent se mettre du gel, ils doivent se faire beau, ils doivent... Tu sais, ils doivent avoir des vêtements un peu flashy, donc ça se voit. Donc voilà, c'est un peu normal, ça fait partie du truc. Mais je pense pas qu'il se la raconte plus. Enfin, tu vois, t'en as forcément qui se la raconte, mais ça, t'en as plein. Hein. Mais j'ai vu un truc, tu sais, maintenant, comme la tectonique, c'est super la mode, les vieux, ils s'y sont mis aussi. T'as une pièce de théâtre à Paris qui s'appelle La philosophie de la tectonique. Ah, la philosophie. Ouais, mais sauf que ça a été écrit par des vieux, donc ils ont écrit tectonique, T-O-T-I-Q-E. Ouais, mais c'est parce que. Ah, Q-E. Ouais, mais c'était peut-être un jeu de mots, Toff. Ah bon, bah écoute, j'ai pas compris. Non, mais parce que tectonique, c'est une marque. On peut pas l'utiliser comme ça n'importe où. Du coup, ils l'ont écrit en toutes lettres. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ah, il y a peut-être de ça, à l'avis c'est pour pas payer les frais, ouais, faut voir. Mais oui, bah Axel, mais en même temps t'es contre et bah t'es contre, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour toi? Non, je voulais dire, il faut pas adhérer à la tectonique. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas bien. Du gel et qu'on s'habille avec des vêtements plastiques, on est forcément beau déjà. Rejoignez-vous. Mais non, mais c'est même pas. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça le problème, Axel. Je crois que tu dois. Tu es en train de perdre ton temps à ça. Tu sais, c'est comme à l'époque, il y avait le grunge avec les mecs qui avaient les cheveux crades et les fringues dégueux. Mais t'en fous quoi. C'est pas la danse en elle-même, c'est l'exposition quoi. C'est-à-dire quand voilà, c'est la nouvelle mode, donc ça émerge partout, donc on en voit partout et on en parle partout. Bah ouais, mais voilà, on en parle partout et puis dans un an on en parlera plus, il y aura autre chose et ainsi de suite. Hein. Non mais c'est clair. Et donc nous, avec 4 copines, dont 2 qui sont avec moi, on a créé un groupe, c'est le groupe des pastèques, parce que pastèques... Les pastèques, ouais, bah alors déjà au niveau du nom... Hein, parce qu'on est pastèques non plus. Et, donc, en ah fait, d'accord, les pastèques parce qu'on est pastèques. Ok, d'accord, voilà. Très bien. Ah oui, c'est... Et on va rechercher, attention. Ah bah attention, ouais, on voit ça, on est au taquet là, ouais. Pas si c'est à moitié, et c'est un peu une parodie. Non, c'est pas un peu, c'est complètement une parodie, parce que... Vous avez carrément fait un groupe pour faire chier les gens. Tant mieux, qui tant mieux. Oh, c'est bien, moi, quand elle fait ça, elle vend pas de la drogue dans la rue. Ouais. Ouais. Ah, forcément, hein. On peut voir ça comme ça, ouais. Et tu te sers un peu aussi du mouvement, toi aussi, pour avancer, du coup. Ah ouais. Ah non, mais moi j'ai pas besoin de ça. Ah non, pas du tout, moi je ne veux pas parler de la tectonique. Si t'as fait une parodie de ça, c'est que ça te sert aussi quelque part. Bah ça me sert à m'amuser quoi. Ah bah ouais, mais bon, donc ça participe à... Ouais, mais elle a raison, c'est bien. À ton épanouissement quelque part. Bah après, justement, je voulais demander aux gens qui pratiquent quoi, en quoi, à quoi ça leur sert, parce que... Mais attends, ça sert à rien, mais ça sert à rien, c'est une danse. Ça fait du bien quoi. Ça, ils se rendent un peu plus ridicules qu'autre chose quoi. Mais oui, mais s'ils veulent, pour eux, ils font pas attention de savoir si c'est ridicule ou pas ridicule. Eux, ils sont dans leur délire et puis voilà, c'est tout, tu vois, ça les amuse. Quand ils font ça, ils s'éclatent. Tu vas pas demander aux gens qui sont en train de faire du breakdance à la Défense ce qu'ils foutent. Ouais, mais bon, là on dirait des hystériques qui n'ont pas pris leur cachet quand même. Mais oui, mais peut-être, mais on s'en fout quoi, c'est tu vois. C'est un des seuls mouvements, ça fait longtemps hein, qu'il y a des mouvements qui arrivent à droite à gauche, mais c'est un des seuls mouvements qui vient de la rue, des enfants, tu vois, des jeunes. Et qui n'a pas d'attache. Voilà, moi en fait, j'aime pas ça. Elle rouille ta fond sur la tectonique. Non, j'aime pas ça, je danserai jamais, mais je trouve que c'est super que ça vienne de là quoi. Mais bon, mais voilà, attends, ce Axel. Ce que je comprends pas, c'est que tu prends pas la tête aux mecs qui font du tai chi, c'est encore plus ridicule. Non, mais c'est une espèce de truc où ils sont là, ils tendent les bras et...
Mais oui, mais on te blinde parce que voilà, tu regardes des trucs, tu regardes des sites où on en parle, tu regardes tes coups, tu regardes la télé où on en parle aussi. Ça va durer un temps. Plein de messages qui sont arrivés. Tiens, pour toi, Axel, au sujet de la pièce de théâtre, le terme tectonique utilisé ne doit pas être en relation avec le mouvement tech. Le mot tectonique est un terme géologique indiquant le mouvement des plaques terrestres. Ouais, c'est vrai. Lisez le synopsis de la pièce avant de faire le lien avec le mouvement tectonique. Ah, bah, ça, non, attends. C'est sûr. Les plaques, c'est pas tectonique. C'est des plaques tectoniques. Non. Tectonique. Ouais, tectonique. Ah, ouais, donc à mon avis, Toff, il a juste vu ça, il s'est dit tectonique. Mais merci pour l'info. Ouais. Si c'est trompé là-dessus, c'est énorme. Non, faut qu'on aille vérifier. Ouais, tu fais chier le monde pour une danse, pardon, qui fait pas de mal, qui fait de mal à personne. Il y a un SMS qui est tombé qui dit le Papa Noël n'existe pas. Mais non, mais c'est pas vrai. Je vous ai dit qu'il fallait pas lui donner les SMS. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Bon, et message qui est arrivé. Attends, où est-ce qu'il est ? T'as commandé quoi par Noël, Sandro ? J'ai pas fait ma liste encore. Ah bah vas-y, hein, parce que là, on est le 4 décembre. Hein. Ouais, mais je sais pas trop encore. Hein. Un mec ? Mais j'arrête pas de rêver de ça en ce moment, c'est bizarre. Un ventre ? Il y a un mec qui... Un petit bébé ? Non, qui vient dans... Non, pas un bébé, ça va pas ou quoi ? Oui, une liposuction, j'ai quoi. Lupo, ça va. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle achète une Volkswagen et après, on va prendre. C'est ça. Et il y a Mathilde qui dit, je sais pas pourquoi la meuf appelle pour la tectonique. Je ne sais pas ce que ça peut lui faire. Je vous adore tous. C'était, c'était Mathilde, ouais. Et il y a Caroline de Lyon aussi qui est là. Salut Caro. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Salut à toi et bienvenue Caroline. Alors, toi, Caro, comment ça se passe au niveau de la tectonique? Est-ce que t'es venue au Music Tour de Lyon? Non. Ah, donc tu n'as pas vu Toff, c'est malheureux, c'est dommage. Non, ouais. Bah tant pis, c'est pas grave. Bon, alors tu voulais réagir par rapport à la tectonique, toi on t'écoute. Ouais. Bah en fait, je suis pour la tectonique et vu que j'en pratique tous les jours, tous les samedis, je suis à la place Bellecour et j'en pratique. Donc, au bahut, on a un petit groupe et en fait, à chaque récré, on danse, tout ça. C'est bien, c'est ça. Et en fait, on s'en fout d'avoir la teon parce que on est le seul groupe du bahut à danser la tectonique et tout le reste, c'est hip-hop ou des trucs comme ça. Chacun fait la danse qu'il veut, quoi, tu vois, c'est pas... Ouais, mais voilà, quoi, la tectonique, c'est nouveau, tout ça. Donc... Est-ce qu'il y a des gens qui dansent la valse dans la cour? Non, quand même pas. Ah, c'est nul. Ah, la valse de Vienne, peut-être, je ne sais pas, mais... Ouais, mais c'est moi qui dis ça, la valse de Vienne, mais c'est les valses de Vienne, c'est une chanson, en fait. Oui, c'est une vieille chanson de Didier Barbolivien. Non. Si, les valses de Vienne. C'est François Feldman. Ah oui, merde, je confonds avec... François Feldman. Ouais, les valses de Vienne, ouais, François Feldman. Ah oui, que de Vienne. Allez, tout le monde a nostalgie. Non, stop. Et donc, Axel. Oui. Donc, c'était juste un coup de gueule que t'avais à donner, quoi, c'est tout. Non, en même temps, on dit une danse, mais en quoi c'est une danse, quoi? C'est un mouvement. Oui, c'est un mouvement, ouais. Il y a des mouvements. Dans un an maximum, on n'en parlera plus, et voilà, quoi. Ça reste à voir, tu en sais rien. Oui, peut-être, on sait c'est pas. C'est marque, la tectonique. Parce que regarde la breakdance. Non, mais peut-être. La même chose, la breakdance, et la danse, elle a survécu, quoi, tu vois. Non mais justement déjà les trois quarts du mouvement c'est inspiré de ça. Ouais mais attends le break c'est inspiré d'autre chose. Hein. Non on a dit la tectonique c'est inspiré du break. Oui mais tout est inspiré de. Bah, oui, forcément. C'est évident, c'est un mélange, c'est un grand mélange, mais c'est ça qui fait la beauté du truc. C'est comme le crump. Le crump c'est un mélange de tectonique et de break. Même Toff, il a fait la tectonique, donc les mecs qui sont fans de tectonique, si je pense que... Moi, quand j'ai vu les photos au début, j'ai cru que c'était d'abord qu'il se lançait dans une imitation de Bill. Hein. Ouais, non mais attends, ça va. Ouais, c'est vrai, un petit peu, ouais, vite fait. Il y a la vidéo d'ailleurs, comme ça vous verrez mieux sur le plateau d'Energy Music Tour à Lyon, là, il y a une semaine et demie, là, ce que t'as fait. J'ai déchiré la tectonique. Ouais, tu parles. Oui, tu l'as déchiré. Ah ça c'est sûr. On a reçu des milliers de lettres. Ah bah oui ça c'est. Tu te faisais déchirer d'ailleurs. Et Monsieur Tonic d'ailleurs aussi tirait la gueule. Ouais. Bon bah Caroline, merci à toi d'être passée. Et puis Mais aussi, je voulais rajouter ouais, le relou en fait c'est que Laurie elle se soit mise à la tectonique parce qu'en fait ça foire tout. Mais... Elle surfe sur le mouvement, c'est normal hein. Ah oui, mais c'est elle sait pas danser. Hein, elle sait pas danser. Elle danse pas. Bah, elle fait de la tectonique quand même dans son clip. Ouais vite fait quoi. Mais c'est trois mouvements, c'est débutant. Oui mais c'est parce qu'elle est obligée de surfer sur ce qui marche. Ouais mais voilà, c'est partie de son métier. C'est après, c'est parce que t'aimes pas la meuf, c'est tout hein. Eh oui Axel, t'inquiète pas, pardon, tu sais c'est une libre antenne, c'est un forum, tout le monde parle, hein, t'inquiète pas Axel, oui. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Que tout le monde se taise pour que Axel puisse parler comme il est normal que ce soit le cas. Ouais, s'il vous plaît. Bon, t'as eu du mal. C'est un produit de consommation, tout le monde va s'y mettre. Pourquoi? Pour gagner des thunes, ça va servir qu'à ça. Mais Axel, après... arrête de dire n'importe quoi, Axel. Mais non, mais si, c'est n'importe quoi. Elle a raison. Si, ça va être récupéré. Oui, mais ça c'est normal. Mais oui, mais c'est normal. Je dis pas le contraire, ils s'amusent, c'est tout.
vous Axel, je parle. Oui, mais moi, non, mais j'ai répondu à ta question. Donc, si tu veux faire des monologues, fais les pareils toute seule dans ta chambre. Ah non, mais je veux bien là. Oh, non, c'est pas ça. Mais... Non, mais on parle ou pas? Non, ce que je voulais te dire, c'est que tu dis c'est commercial, les mecs vont se faire de la thune, mais les gens qui dansent, ils dansent parce qu'ils aiment ça. C'est pas de leur faute. Ils dansent parce que on a l'impression qu'ils font ça pour pourquoi? Pour avoir une personnalité et pour parce qu'ils en ont pas ou quoi? Eh, toi, t'as non, mais toi, c'est... non mais Axel, allez, Axel, le truc référence. Est pas compliqué. Le truc est pas compliqué, c'est que toi t'es anti-tectonique et de toute façon tout ce qui arrive, la pollution c'est la tectonique. Voilà. Bah c'est oui parce que la dette de l'Afrique, de l'Afrique c'est la tectonique, l'immigration, l'immigration c'est la dette de la, c'est la dette de l'Afrique. Le chômage, c'est parce que la tectonique c'est commercial et qu'en Afrique ils ont pas la tectonique donc exactement. Pas mais non mais Axel, on essaye simplement de te faire comprendre que voilà la tectonique, il y a pas mort d'homme, les mecs, il y en a forcément qui vont utiliser ça pour se faire de l'oseille et voilà tout le monde va essayer à un moment ou à un autre de se faire de l'oseille, c'est normal, c'est comme Noël, c'est comme n'importe quoi. Et à côté de ça, t'as des mecs qui et des meufs qui voilà qui s'éclatent, qui s'amusent, qui font ça en rue et qui emmerdent personne quoi. Et on a tous des références, c'est pas ne pas avoir de personnalité, t'es obligé de t'imprégner des choses qu'il y a autour de toi. Toi, à un moment, je sais pas, je te dis une connerie, mais si t'as aimé Tokyo Hotel, bah tu vas t'habiller un peu comme Tokyo Hotel. Ouais, non mais en même temps qu'ils arrêtent de nous blinder la tête avec ça. Bah, non mais ça d'accord. C'est mais... un peu plus important. Mais c'est le bourrage de crâne dont t'as marre. Dont t'en as marre. L'immigration s'ils veulent, mais la tectonique on en a un peu ras-le-bol. Mais oui mais Axel, c'est parce que toi tu t'en branles, c'est-à-dire que les mecs qui sont fans de tectonique, ils préfèrent qu'on leur parle de tectonique que l'immigration. D'accord, mais il faut être un peu plus ouvert d'esprit qu'on croise des gens dans la rue. C'est toi qui nous dis ça. Attends, mais Axel, c'est toi qui es complètement obtus. C'est toi qui as amené ce sujet-là en plus. En même temps, on croise des gens dans la rue qui font de la tectonique au départ qu'on connaissait pas. Bon d'accord, on n'en avait rien à faire, on a essayé de voir ce que c'était et tout. Mais les trois quarts des gens, si t'en fais pas, c'est de la merde, c'est complètement asile. Non, non, ça c'est pas vrai. Moi mais aussi Axel, c'est toi qui viens d'en parler la tectonique. Bah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est toi qui fais de la pub pour ça. Ah non mais arrête. Ah non mais pas du tout, moi je suis pas là pour ça. Et en plus t'as fait ta parodie, c'est-à-dire que tu passes du temps à parodier un truc que t'aimes pas. Ah justement, on passe pas du temps, on a bien d'autres choses à faire. Bien sûr. La tectonique. Bon, passons. Oui, je pense que Nico effectivement a une très très bonne idée sur le coup. Non mais cela dit, Axel, sérieusement, respecte juste ceux qui le font, qui s'éclatent, tant mieux. Si toi tu t'en branles, quand t'entends une chanson à la radio, quand tu vois un clip à la télé, bah tu zappes parce que t'aimes pas. Et quand tu vois des infos sur internet là-dessus, bah tu zappes aussi parce que t'aimes pas. Et puis voilà. En même temps, la tectonique, ça fait plus de 5 ans que ça existe en plus. À en la plus, radio, ouais. N'importe quelle radio va commencer à en passer, n'importe quelle chaîne de télé va en parler, sur tous les clips, on les voit, c'est partout. Mais c'est normal, il y a des gens qui aiment ça et qui demandent à entendre ça. Donc c'est eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est normal, c'est aussi leur but de. Mais c'est surtout que c'est normal. De toucher un maximum de gens, etc. À partir du moment où c'est une mode, tu te rends pas compte du nombre de trucs qui font partie de ta personne à toi, qui sont nés comme ça. Et Axel, qu'est-ce que tu aimes toi? Moi j'aime le théâtre. Oui. Ouais. Voilà. Bah le théâtre c'est un mouvement qui est fait pour faire de l'argent. Non, alors là, surtout pas. Bah, si, à un moment donné, il faut bien les payer. Pas, les comédiens, ils sont mieux payés que tes parents. Hein. C'est ça, les théâtres, il faut les payer. Les lumières, il faut les payer. Les techniciens, il faut les payer. C'est pas de la même chose. Les trois quarts des intermittents du spectacle, je suis désolé, mais ils gagnent pas tant que vous pensez. Hein. Mais non, mais ils gagnent de l'argent, donc c'est payé. C'est pas. Je dis pas que les mecs. Les intermittents du spectacle. Non, mais Axel, je joue pas sur les mots. Je te dis pas que les mecs, ils font ça gratos. Je te dis pas qu'ils sont milliardaires. Je dis juste que les mecs, ils sont payés. Donc à un moment, c'est fait pour faire de l'argent aussi. On rentre dans le même sens que toi. Hein, on va là, tout est pour faire de l'argent. Voilà. C'est exactement ça. Hein, voilà. Tu sais, c'est comme ça que ça tourne. Tout simplement. Mais voilà, Caroline, t'as encore un truc à dire pour finir? Non. Et là, Axel découvre le monde. Très bien, c'est ça, ouais. Bon, mais merci à toi d'être passé, Caro. Hein. Ouais, je peux faire une dédicace? Alors, vas-y. À Leslie, Jenny, Sheila, Neyma et tout le reste de la bande, Alban, Florent, Tony, et puis voilà. Très bien, le message est passé, Caro. Salut à toi, gros bisous. Bon, et Axel, toi aussi, ton message est passé, cela dit, hein, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Et vive la tectonique, Axel. Et si vous voulez en parler sur le forum de la tectonique, vous pouvez continuer d'ailleurs. Hein. Il y a Stéphano qui est dessus également. Il y a Stéphane également, il y a Jonathan, il y a Metallica, il y a La Roqueuse, il y a Ariane, il y a Sky, il y a Grominé également du 9-3. Et il faudra qu'on parle de Grominé d'ailleurs dans un instant. Oui. Bon, je te fais des gros bisous, Axel. Oui. Et tu reviens quand tu veux et puis vive la tectonique. Hein. Vive le tal. Et je voulais faire un gros bisou à tous mes théâtres de Chambly parce qu'on fait vraiment des trucs super et c'est pas pour faire gagner de l'argent. Non mais d'accord, mais à ce moment-là il y a aussi faire le truc. Plaisir quoi. Aussi quoi, bon. C'est ça qui est bien. Gros bisous à toi Axel. On retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.